l'idée pour moi, qui était alors avocat associé dans un grand cabinet qui faisait du droit des affaires internationales, c'est ce que je faisais, donc j'avais des transactions internationales en Amérique latine, ailleurs dans le monde, c'était de me consacrer à ce qui me faisait vibrer le plus. Quand tu voyages et quand tu es dans un grand hôtel et que de ta fenêtre au 15e étage ou au 20e étage, tu vois les bidonvilles, tu vois les gens qui vivent dans la misère, tu sais que ces gens-là sont quotidiennement victimes de la grande injustice, de l'inégalité sociale, tu veux faire quelque chose. Alors en Haïti, Avocats sans frontières Canada a deux projets. Le premier s'appelle Justice de première ligne et le deuxième s'appelle Lutte contre l'impunité. Dans le deuxième projet, Lutte contre l'impunité, on appuie des victimes et des organisations de la société civile qui veulent que justice soit faite dans le cas de Jean-Claude Duvalier. Dans le premier projet, Justice de première ligne, c'est un projet qui s'est mis sur place après le tremblement de terre en 2010. Donc, on a offert des services de formation d'abord aux intervenants haïtiennes et haïtiennes qui donnaient les services, mais qui étaient aussi offertes plus largement à la communauté juridique, aux avocats, aux avocates, aux magistrats, aux magistrates et aux organisations de la société civile. Donc, ça donne des outils additionnels pour mieux défendre les droits humains fondamentaux des groupes les plus vulnérables, qui sont vraiment les personnes que nous visons par les services qu'on a appuyés en Haïti dans les dernières années. C'est un projet qui vise à rendre accessibles les services juridiques. Donc, comme après le séisme dévastateur du 12 janvier, il y avait beaucoup de déplacés internes, des gens qui vivaient dans des camps d'hébergement. Ces personnes avaient besoin d'assistance judiciaire, ils avaient besoin d'aide juridique, ils avaient besoin d'appui psychosocial. Donc, le projet consiste à porter les services juridiques près des populations des déplacés internes. Après le 12 janvier, après le tremblement de terre, j'ai été très traumatisée. Et tous ces traumatismes-là, après un temps, m'ont donné des problèmes nerveux. Okay? Et j'ai suivi des thérapies d'accompagnement et de compréhension psychologique avec un psychologue de l'Avocat sans frontières qui s'appelle Richardson. Donc ça a été très bien. J'ai pu contrôler mes nerfs et tous les problèmes que j'avais grâce à cette thérapie-là. On a fait libérer des gens qui étaient en détention préventive, notamment beaucoup de mineurs qui sont arrêtés parfois pour des crimes ou des allégations de crimes qui ne sont pas si importants que ça et qui demeurent très longtemps en prison. On a travaillé avec ces gens-là en collaboration avec l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne. Nous leur sommes très reconnaissants parce que imaginez des enfants qui restent en prison. Normalement, ils ne devraient même pas être en prison. Donc, Avocats sans frontières, Haïti, Canada, nous a beaucoup aidé. Il y a également des cas où c'est un mineur qui a été accusé de viol, mais injustement. Donc, problème de violence, c'est Avocats sans frontières qui aide. Moi, j'ai plusieurs cas. Moi, j'ai eu un cas où un petit monde qui a été violé. C'est Avocat sans frontières qui était déjà qui était sur place, les crimes ont été faits. Et Avocat sans frontières a aidé nous avec petit monde ça. Moi, j'ai eu l'autre dame encore qui a eu une violence qui a été faite sur l'île. Il a été battu l'île, il a perdu combien de dans la bouche l'île. Et puis, c'est Avocat sans frontières qui a été allé avec lui. Il a été fait tout suivi avec moi. Et c'est un dimanche, quand nous avons mis au courant de ce cas, nous avions été sur les lieux en toute urgence. Le même jour, on a été saisi de dossier et enfin, au cadre de l'instruction, on a pu procéder à la libération de ce mineur. J'ai été accusé de viol sur un petit petit 12 ans. Par contre, ce petit là, c'est... Bah bon, moi c'est joué arrêté maintenant, c'est juste à moi de ce pas de jam qu'on aime. Que jour, il n'y a pas arrêté. Mon yo que pendant ma sortie, c'est comme ça que. Monsieur, oui, non, moi j'ai sorti ensemble avec un cousin, nous avons déposé un bail. Pendant ma sortie comme ça, moi je vois que papa de ce petit là, pendant ma sortie comme ça, moi je suis allongé, je vais être sous moi. Il dit comme ça que moi-même tout le monde est là-dedans.
moi passé environ 6 mois. Je me retourner voir ni famille, ni maman, ni amis parce que moi pas de gain espoir ça que moi t'ap sorti côté me terre. Parce que son vieille expérience que tout le monde qui fait ces débats qui mal la ria, m'a ta souhaité comme si puis faire autour parce que prison pas un bail qui facile, mais douce. Vous savez qu'après le séisme, beaucoup de déplacés internes, beaucoup de familles ont perdu leur papier d'état civil, leur acte de naissance, leur carte d'identification nationale. Avocats sans frontières, à partir de ces services, donc, a permis à des familles de récupérer des actes d'état civil et également a permis à certaines familles d'avoir de nouveaux actes d'état civil. Hier, on arrivait à peu près à la fin de notre troisième année d'activités intenses dans ce projet Justice de première ligne et on en a profité pour faire un événement public par lequel on faisait le bilan de cette première phase du projet. On était ici hier parce qu'il y avait une audience historique dans le cadre de Jean-Claude Duvalier. Et dans ce dossier-là, c'est une partie de notre programmation en Haïti. Nous appuyons le collectif de victimes et d'organisations de la société civile qui veulent que Jean-Claude Duvalier soit amené à procès pour les violations des droits humains qu'on allègue qu'il a commises pendant qu'il était président à vie d'Haïti. Ça a été, comme dans toutes les audiences du cas Duvalier, un peu animé entre les avocats, le tribunal, le ministère public. Il y a eu beaucoup d'argumentations sur des points très techniques. Ce qui, pour nous, n'est pas nécessairement un bon signe parce qu'on préférerait que le débat se concentre sur les questions de fond parce qu'ici, ce sont des violations très graves des droits humains qui sont alléguées. Nous, on veut qu'il y ait une justice pour ces cas-là. Que les personnes qui se rendent coupables de graves violations des droits humains soient reconnues responsables de ces violations-là. Et ça, on le fait donc en prenant des cas emblématiques dans certains pays de graves violations des droits humains, puis en accompagnant les victimes ou les intervenants de la justice qui veulent qu'on fasse la lumière sur les faits, qu'on condamne les responsables, puis qu'on s'assure que ça ne se reproduira pas dans l'avenir. El trabajo anterior fue en Abogados Sin Fronteras, era pues la jefe de misión en esa oficina y estuve pues 2 años trabajando para esa organización que tenía pues como eje principal el implementar una oficina de abogados en derechos humanos, que es por cierto pues la primera en este país. Le plus important, c'est le fait que Avocats sans frontières Canada ait pu aider à la construction du Bufete Jurídico de Derechos Humanos et sa création, en français, le cabinet juridique des droits de l'homme du Guatemala, qui est dirigé par l'avocat défenseur des droits humains Edgar Pérez. Je peux vous raconter ici que je, quand... El señor Pascal Paradis me dijo eso y yo le dije, me voy a piscar, ¿verdad? Para ver si no estoy soñando, porque obviamente tener un equipo, eso es un sueño. El caso de las 2R lo tomó el licenciado Pérez. Él solito, ahí sí que solo los dos andábamos litigando cuando fue el secuestro de mi familiar, Rubén Amílcar Farfán, que el 15 de mayo fue capturado y posteriormente desaparecido.
fue ahí donde yo empecé a involucrarme en la lucha por la búsqueda de saber qué el paradero de él, qué había pasado. Esta lucha es sin igual. Es una lucha que verdaderamente es bastante fuerte, porque nosotros lo único que tenemos es el dolor, la incertidumbre de saber qué pasó con nuestro familiar. Sin embargo, los poderosos, o es decir, quienes tienen el poder y quienes en aquel tiempo estuvieron en el poder, ellos tienen y saben dónde dejaron a nuestros familiares. Y es esa la lucha. Y específicamente quien ha marcado a Fandewa por su trabajo fue el caso de las dos R's. Un caso que verdaderamente ha llorado sangre y que, bueno, de alguna manera ha sentado un precedente muy histórico en el país. En Rabinal, más que todo, o sea, durante el conflicto armado se cometió graves violaciones a derechos humanos. Había cientos de cementerios clandestinos que no se caminaban para los trámites para llegar a la exhumación. Entonces, actualmente estamos tratando la manera de documentar para presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias al apoyo de Abogados Sin Fronteras, que nos han brindado acompañamiento para documentar estos casos. Estamos en camino hacia Rabinal, Baja Verapaz. Y nos vamos a encontrar con los compañeros del Bufete Jurídico Popular de Rabinal, donde trabaja Catherine. Después vamos a ir a una comunidad que se llama Chichupac, donde se perpetró una masacre en el año 82, y vamos a conocer a algunos de los sobrevivientes de Chichupac. Y dentro de estos hechos de violencia, también hubo mucha opresión, persecución, destrucción de comunidades, violaciones sexuales, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, etcétera, que se cometieron en contra de la población mayachí. Más que todo, me da pena de contarles historia y que yo me pasé porque fue muy duro. Estamos dos mujeres embarazadas allí. Entonces la otra ya se va a componer, ya tenía como 9 meses. Entonces lo bajaron al suelo a puras patadas, con manadas, con patadas. Lo pegaron, ella estaba gritando y a mí me llevaron adentro. Junto con mi otra cuñada que se murió, ya se murió. Dos cuñados, uno se llama Doña Lina y otro se llama Doña Teresa. En ese momento fuimos violadas. Nos llevaron antes, yo tenía 7 meses de embarazo y yo le dije que me perdonaron, 2 veces le dije yo que me perdonaron porque yo estoy embarazada, pero es, ya no me escucharon que al tanto, que llegó mi niña, tiene 3 años, entonces mi niña me estaba llamando, mamá, me dice, no, le empujaron con una patada, porque si estuviera que mi hijo está vivo, mi hijo tal vez me brinda una ayuda. Vale la pena que fui sufrido, pero ahí está mi bebé, ahí, pero ese no, se murió mi bebé. Entonces lo que nosotros estamos persiguiendo es la justicia, y la justicia estamos esperando. Que va a la cárcel de Río Simón, que reconoce lo que él hizo, eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces estaba yo diciendo a mis compañeros, de que nosotros, también a las organizaciones, De que nosotros no somos guerrilleros porque no cargamos armas, sino que lo que nosotros tenemos es nuestro machete, porque este nos sirve, ese cualquier persona aquí en la comunidad lo tiene, porque como este nos sirve para cortar un palo o algún chucho con rabia que nos persigue, nosotros sacamos nuestro machete.
Ah, sí, esto más que todo se utilizó como para el muro, porque directamente aquí es donde se murieron las personas. Aquí es donde más que todo los torturaron. Eso, en esta parte se quedó manchado de sangre todo esto. Se quedó pedacitos de carne manchado a la pared. Creo en el 83, no estoy seguro, pero quemaron nuestra casa. ¿De dónde voy a venir a vivir? Ya mis hijitos ya están bonitos, pero no me puedo venir a vivir. La guerra no ha terminado. ¿Saben por qué lloro? Porque quiero denunciar la injusticia. Quiero sacar de aquí por qué pasó eso. Si por eso estoy aquí. Yo no soy de aquí, ya no pude regresar. Pero es por eso, les dije, yo quiero denunciar esa injusticia. Gracias a Dios, pues, que me dieron 3 abogados, digamos, un hombre y 2 mujeres lindas, que ellos, en vez de que me asustan, ellos me apoyaron, que se entiende, para salir adelante. El caso más emblemático e importante que el bufete acompaña es el caso de genocidio en contra del alto mando militar del gobierno del señor José Efraín Ríos Montt. Queremos presentar todos los hechos, los grandes acontecimientos a los jueces, y son ellos los que toman la última decisión, se los dejan en libertad o los van a mandar en la cárcel. Pero nosotros, como sobrevivientes, cumplimos con nuestra obligación de buscar justicia, no venganza, porque venganza sería hacer lo mismo como hicieron ellos. Les communautés indigènes de Colombie sont évidemment les premiers occupants du territoire, en fait de l'ensemble du pays. C'est une longue tradition d'agriculture, de pêche, de chasse, et c'est une relation et une vision complètement différente du rapport à la terre. C'est la terre-mère. Donc le lien avec le territoire est extrêmement important pour ces communautés-là. C'est essentiel à leur survie culturelle et même à leur survie physique. Malheureusement, elles sont souvent les premières victimes des attaques, à la fois des groupes armés illégaux et parfois, malheureusement, des forces armées régulières. Algunos de los principales logros en el marco del proyecto con pueblos indígenas es que las comunidades acompañadas ahorita conocen sus derechos y conocen los mecanismos de exigibilidad de los mismos y son capaces de llevar adelante de manera autónoma procesos judiciales para exigir la garantía de sus derechos individuales y colectivos. Otro de los componentes que ha tenido muy buenos resultados en el marco del proyecto es el litigio estratégico en casos de derechos territoriales, y en ese sentido se han priorizado junto con la Organización Nacional Indígena de Colombia 2 zonas en el país, el norte del Chocó y el Vichada, y ese es uno de los casos que van a ir a ver a partir de mañana en el terreno. Van a estar conviviendo con las comunidades, los resguardos indígenas del pueblo Embera en Chilimatolo y Pescadito. Les gens d'Avocats sans frontières mettent leurs bottes, mettent leurs chemises de brousse et se rendent jusque dans le fond de la jungle, là où sont les communautés, pour dialoguer avec elles, pour comprendre quelles sont les problématiques, quelles sont les violations des droits humains dont elles sont victimes et comment on peut les travailler sur le plan juridique. Venimos aquí desde Bogotá, salimos desde Bogotá hace 2 días y nos cambiamos varios medios de transporte, avión, carro, barco, y ahora nos tocan las mulas. Aquí estamos para ir a visitar los resguardos de Chidima Pescaditos.
que son de resguardo en Beras, y estamos acompañados por Miguel Ángel de la Asociación Orewa y con tres líderes de las comunidades de Chidima y de Pescadillo. Todas las personas hemos venido a visitar este resguardo indígena, cuyo principal problema es el territorio que históricamente han perdido. Cuando nosotros vivíamos aquí, los indígenas, solamente los indígenas, esto no era así como nosotros estamos viendo ahora, porque anteriormente todo esto aquí era puras selvas, donde nosotros teníamos todas las cosas de las naturalezas muy cerca de las casas, o sea, no tenía que irse uno tan lejos, sino que uno por ahí salía de la casa a 50, 60 metros, ya uno conseguía cosas de las naturalezas, cosas como para el consumo. Pero ahora ya la cosa no es como antes, ya la cosa ahora se han cambiado mucho. Ha cambiado por el motivo que los campesinos han llegado y nos han derrumbado todo el bosque por abrir finca por el río, cerca del río. El río también se ha secado mucho porque anteriormente el río no era así. Les avocats qui sont soutenus par Avocats sans frontières, les avocats autochtones ou indigènes, comme on dit là-bas, qui sont soutenus par Avocats sans frontières, ont mené dans les dernières années devant les tribunaux colombiens des dossiers extrêmement importants qui ont résulté en des décisions qui sont maintenant favorables au respect des droits propres des communautés autochtones. ASF et ACADEM ont llevado ya una relación desde 2007 y queremos seguirla manteniendo. Consideramos que es vital para ACADEUN y para el trabajo de defensa de víctimas en el país que siga existiendo esa relación institucional y que a partir de allí se logren resultados en materia de exigibilidad de derechos, de casos que sean adelantados ante el sistema judicial. On voit poindre une jurisprudence qui est respectueuse des traditions, de la façon de vivre des Autochtones, mais également de leur façon de voir la justice et le droit. Esta comunidad sufrió un desplazamiento hacia otro país vecino a Panamá, ya a cuestión de amenazas de la guerrilla de la FARC. Eso fue en el año 81. Resistieron nada más tres familias de lo que quedaron. Y es la cual que todavía pues hemos seguido en este tipo de avances de lucha. Los sabios y los que nos han protegido a través de toda esta violencia que han formado tanto los grupos izquierdos y de parte del gobierno que también hace muchas violaciones de derechos humanos aquí en nuestras comunidades. El ejército, pues en primer lugar, llega, se acampa aquí directamente dentro de la comunidad. Y nosotros pues siempre hemos sido claros con ellos, le hemos demostrado algunas leyes de ellos mismos, donde le hemos dicho, hombre, aquí ustedes no pueden acampar, porque esto es directamente para nosotros, es un riesgo. Ustedes tienen sus armas y nosotros no tenemos armas. ¿Usted cree que en este momento los encuentra aquí el enemigo de ustedes? ¿Quiénes son los que llevan? Somos nosotros, ¿sí? Entonces ese es un medio de que realmente pues el mismo gobierno también nos está atropellando, ¿ya? A través de nuestros médicos tradicionales y los yerbateros pues también han sido muy fuertes de que la lucha pues en el pueblo en Vera hemos recibido la violencia no a través de las armas, sino que a través pues algo es espiritual que nosotros siempre hemos sabido. Ese es el medio de la protección, ese es el medio de que hoy nosotros seguimos resistiendo como pueblo en Vera
a través de la sabiduría que saben nuestros médicos tradicionales, que son los primeros pilares para salvar este resguardo. Donc c'est vrai qu'on est souvent confronté à ce que l'humanité a de pire à offrir, à ses plus grandes zones d'ombre. En même temps, Avocats sans frontières, c'est une grande entreprise de solidarité, d'entraide et de justice. Et ça nous permet de toucher à ce qu'il y a de plus lumineux, de ce qu'il y a de plus courageux et de ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'humanité.